Dès 10 h de ce samedi 17 avril 2021, ils sont venus de partout, les chrétiens, musulmans, femmes, veuves issues des deux confessions religieuses, à prendre part à une rencontre de l'ONG Espoir de Vie, sise dans le quartier au sud, contigu au motel Diamond, une organisation non gouvernementale évoluant dans le cadre humanitaire à travers l'insertion des enfants délinquants prenant la rue comme leur lieu de refuge, ainsi que l'assistance aux femmes veuves dans des activités génératrices de revenus. Joël Crasso est le président fondateur de l'ONG. Je suis là aux côtés de la Guinée et surtout dans la zone forestière pour réaliser le rêve. S'occuper des veuves, des orphelins, les accompagner dans leurs différentes activités. Et nous avons créé les micro-projets ici afin de pouvoir amener le Guinée à comprendre qu'à partir de la Guinée, on peut s'enrichir. On n'a pas besoin d'aller de l'autre côté. Je vis en France. Mais écoutez, la France, il y a des réalités. Mais en Guinée, il y a de la richesse. Il faut amener les gens à comprendre qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de sortir. Pour M. Crasso, les femmes veuves et les enfants abandonnés constituent la cause la plus vulnérable qui mérite un soutien. On a des orphelins. On a des personnes vulnérables, voilà, des personnes en difficulté, des handicapés par exemple, auxquels nous pouvons assister rapidement, des personnes qui, franchement, qui sont démunies, voilà, les enfants de la rue par exemple, et des veuves, des orphelins, et des gens qui ont envie de réaliser un projet qui n'arrive pas à le réaliser. Voilà, si nous constatons ça, et nous nous investissons à fond, parce que nous sommes là justement pour aider. J'ai dit qu'on n'a pas forcément besoin de tendre la main à l'extérieur, n'est-ce pas, à partir de la Guinée, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir des pays africains, on peut s'enrichir. Dieu nous a tout donné et le meilleur continent, c'est le continent africain. Quant à Adja Awa Baldé, présidente des femmes veuves, se dit très satisfaite à prendre part à cette rencontre. Satisfait à venir d'un titre. D'abord, le fait que sa lutte, c'est pour le maintien de la paix à Zérékoré. Nous avons tous entendu ce message. Nous sommes vraiment satisfaits de ce acte. Parce que nous, aujourd'hui, tout bon Guinéen, nous qui vivons à Zérékoré, notre souci, c'est la paix. La paix entre les différentes communautés. Et lui, puisque c'est son message, c'est son défi qu'il a lancé, nous allons l'accompagner. Et nous promettons qu'avec l'aide de Dieu, Il est à retenir que cette rencontre de prise de contact a pris fin dans un climat de paix, de joie et surtout de prière qui va désormais servir d'ouverture aux activités à venir. Une visite à notre localité. Alors, je suis Joël Crasso, je suis ivoirien, mais africain, je suis tombé amoureux de mon pays, qui est la Guinée. Alors, j'ai décidé de contribuer, n'est-ce pas, à l'évolution, au développement de la Guinée. J'ai une ONG appelée Espoir de Vie. Alors, je suis résident, je suis en France, voilà, je réside en France, j'ai mes activités en Côte d'Ivoire. Et l'ONG est née en Côte d'Ivoire. Et nous avons une expérience. Mon ONG, je l'ai montré concrètement à partir de 2012 en Côte d'Ivoire. Et nous avons des activités. Nous intervenons dans le domaine des veuves. Pourquoi les veuves? Parce qu'elles ont perdu leur mari. Elles ont en elles beaucoup de charges. Elles s'occupent des enfants, troublés des petits-enfants. Nous travaillons avec les veuves dans le but de les protéger, mais en même temps donner un message très fort pour motiver les enfants à aller à l'école. Nous avons un message pour nous que l'Afrique, chaque enfant africain, aille à l'école, parce que demain, ceux qui vont gérer l'Afrique et le monde entier seront ceux-là qui ont beaucoup de choses dans la tête. Les grands pays développés aujourd'hui sont les gens qui sont allés à l'école. Ils n'ont rien que nous. Nous avons tout ici. Si nous laissons, n'est-ce pas, si nous ne mettons pas nos enfants à l'école, qui sont le futur de demain, c'est-à-dire la Guinée de demain, l'Afrique de demain, nous allons effectivement toujours tendre la main à ceux qui connaissent et qui viendront toujours nous dominer. Nous commençons avec Dieu. Il faut que Dieu mette sa main sur nos activités pour que les choses aillent mieux. Alors comme je disais tout à l'heure, sans tout pas me répéter, tous mes excuses pour le retard, parce que j'attendais justement les partenaires. Mais ce n'est pas grave, parce que leur présence n'est pas forcément nécessaire, mais c'est à l'ouverture, on aura besoin
de nos autorités, telles que le préfet, tout ça, que nous allons inviter officiellement. Officiellement, nous sommes en plein chantier, nous sommes en train d'aménager nos locaux. Voilà, donc je suis le président fondateur de cette ONG qui existe déjà en Côte d'Ivoire, voilà, en Côte d'Ivoire, qui a déjà ses activités en Côte d'Ivoire. Je suis entouré dans 45 pays africains, voilà, donc la Guinée fait partie de deuxième pays. Alors, j'ai été séduit, n'est-ce pas, par votre pays, et je veux aussi contribuer, n'est-ce pas, à l'évolution de ce pays-là. Avec la petite expérience que j'ai, notre ONG, comme je disais, intervient dans le domaine de la protection de la femme, n'est-ce pas, veuve, l'enfant orphelin. Quand moi-même orphelin, le père et la mère, j'ai compris que si un enfant orphelin n'a pas de soutien, il devient un enfant délinquant, automatiquement. Et nous n'avons plus besoin de la délinquance. Vous savez que le droit de l'enfant, au niveau de l'achat de l'ONU, c'est un enfant a droit à un toit, un enfant a droit à l'éducation, un enfant a droit, etc., etc. C'est ce que nous allons faire pour faire ressortir le droit de l'enfant. Voilà, et accompagner ces enfants-là, parce que demain, il y a une génération qui naît, et puis il y a des gens qui meurent, il y a une génération qui naît, il faut toujours les préparer. Car le livre de Jacques nous dit que ne vous y trompez pas, aucun mauvais cadeau ne vient d'en haut. Tout bon cadeau vient de toi. Et si c'est venu de toi, Seigneur, nous voulons voir son accomplissement ici au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions l'initiateur, le fondateur, qui a dit celui à qui manque la sagesse, qui te demande la sagesse. Donne-lui la sagesse qu'il faut pour aller au bout de ses idées. Seigneur, je sais qu'il est un leader, parce que le leadership, c'est un comportement. Nous te disons merci, parce que tu l'as choisi leader, et il va honorer ton nom ici. Dans notre nation, particulièrement ici dans la région forestière, à Zérokoré ici, au nom de Jésus. وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عصيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا أن تنال قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشفاعة وسوء القضاء وشفاعة الأعداء اللهم يا محاول الحول حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا كثيرا والوفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما Je suis là aux côtés de la Guinée et surtout dans la zone forestière pour réaliser le rêve. S'occuper des veuves, des orphelins, les accompagner dans leurs différentes activités et nous allons créer les micro-projets ici afin de pouvoir amener le Guinée à comprendre qu'à partir de la Guinée on peut s'enrichir. On n'a pas besoin d'aller de l'autre côté. Je vis en France, mais écoutez, la France, il y a des réalités, mais en Guinée, il y a de la richesse. Il faut amener les gens à comprendre qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. On a des orphelins, d'accord, on a des personnes vulnérables, voilà, des personnes en difficulté, des handicapés par exemple, auxquels nous pouvons assister rapidement, des personnes qui, franchement, qui sont démunies, voilà, les enfants de la rue, par exemple, et des veuves, des orphelins, et des gens qui ont envie de réaliser un projet qui n'arrive pas à le réaliser. Voilà, si nous constatons ça, et nous nous investissons à fond, parce que nous sommes là justement pour aider. J'ai dit qu'on n'a pas forcément besoin de tendre la main à l'extérieur, n'est-ce pas, à partir de la Guinée, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir des pays africains, on peut s'enrichir. Dieu nous a tout donné et le meilleur continent, c'est le continent africain.